Je suis une personne vraie, maintenant il te reste juste l'argent. C'est pas parce que je travaille sur toi que tu dois d'abord comprendre ce que toi tu veux, qui tu es, ce que tu portes comme pouvoir. C'est pour ça que je fais les vidéos. Sinon, je serais dans mes vidéos en train de vous présenter les produits tous les jours. Mes clients se reconnaissent, ils viennent à moi. Donc, je n'ai même pas un souci de ce côté-là. Et si quelqu'un ne peut pas acheter ma chose, ce n'est peut-être pas le moment, ce n'est peut-être pas la personne, je ne suis pas sa personne. Voilà. Donc, je dis en numéro 1, pour reconnaître un serpent dans ta vie, tu fais n'importe comment. Pour conseiller, aider, placer la personne. La personne elle-même ne voit pas. Ou la personne va faire de son mieux. Le travail, je le fais à distance. La personne va faire de son mieux pour gâter ce que tu essaies de faire. Numéro 2, pour découvrir un serpent dans ta vie. Merci à ceux qui partagent la vidéo. En numéro 2, tout ce que tu vas commencer pour aider la personne, ça ne va pas marcher aussi rapidement. Donc tu te dis peut-être que bon, tu rencontres une personne, tu dis bon, je vais faire ses papiers pour que il vienne en France me retrouver. Si la personne est avec toi seulement parce que tu es en France, et la personne-là ne t'aime pas, tu vas faire ses papiers n'importe comment, ça ne va pas marcher. Ton corps est bon, tu pries pour la personne, tu fais tout, tu payes même pour que je travaille sur la personne. Tu es en train de perdre ton temps et ton argent. Et on t'a même déjà dit. On t'a dit. Tu le sais. Nabo, c'est à toi qu'elle parle et tu continues. Chantal, bonjour. Tu le sais. Lumière divine. Mamie. Ça, c'est la deuxième étape. Ne te dérange pas. Je dis bien que ça ne va pas marcher. Et avant de commencer même ces papiers, on t'a montré. Vos serpents, ce sont des personnes qui vont vous faire des cadeaux sans que vous ne... pour rien. Le serpent veut trop te complimenter. Merci pour le partage des fallait. Oh, vraiment, tu es la plus belle. Oh, tu es mince. Je sais que j'ai pris quelques kilos depuis 2-3 mois. Oh, vraiment, j'aime les femmes qui sont... Oh, vraiment, regarde ton ventre. Je sais que j'ai mangé un peu. Je suis ballonné. Comment tu me dis que mon ventre est petit? Je sais que là où je suis, là, mon ventre n'est pas petit. Je sais que tu n'es pas aveugle. Je t'appelle à 5 heures. Oh mon bébé, je n'arrivais pas à dormir. Si je pensais à toi. Ou bien c'est un employé. Trop de compliments. Cadeau. Voilà, il t'appelle à 4 heures. Quand tu étais parti travailler. Tu regardes seulement, tu dis, espérons que ça dure. Serpent dans ta place. Serpent dans ta place. Je ne t'envoie pas mon numéro WhatsApp, c'est sur ma page, monsieur. Ne m'embête pas. Je fais quand même mon numéro. Il y a une boutique pour vendre mes produits sur la page. Il y a les services là-bas. Tu ne veux pas voir ça, tu laisses. Tu as compris, non? Tu bois le jus ailleurs. Tous les projets que tu façonnes pour la personne. Merci, Raïssa. Vous les filles, vous passez à payer pour qu'on travaille sur les gens qui ne vous aiment pas là.
travaille sur lui. Je veux qu'il ait le boulot. Ciao. Merci, Tatiana. Tout ce que tu planifies, voilà. Il y a aussi une autre chose. Monsieur, je veux que je suis naturel. Quitte. Tu veux d'abord mon numéro maintenant, je veux que je suis naturel. Ne me fais pas de compliments. Je ne veux pas. Tu as compris? Tu es très naturel. Je ne veux pas. Je refuse ton compliment. Moi, je vous connais très bien ici sur TikTok. Mes pigeons de cette icône-là. Tu veux d'abord entrer ici, tu veux mon numéro, tu veux mon numéro. Maintenant, tu dis que je suis belle. Depuis que tu es arrivé là, je n'avais pas vu que tu étais belle. Claude, bonjour. Tu es triste. Attends, il te bloque. Va faire ta tristesse ailleurs là. Oui, ici. Qu'est-ce qu'il disait même par rapport à vos serpents là? Il vous disait quoi? Il y avait un truc très intéressant que tu as en train de dire. Il disait que quoi? Je sais que beaucoup là, vous ne me suivez pas. Vous allez me regarder ce moment là. Je disais un autre truc. Quand tu te bloques, tu ne m'écoutais pas. Tu te bloques. Voilà, les filles qui travaillent sur le gars, j'ai dit ça. Si j'ai oublié l'idée là, ça vous aurait éclairci jusqu'à. Oh. Il dit que tu veux travailler sur la personne. Tu prévois les choses. Ça ne marche pas comme tu avais prévu. La personne te complimente beaucoup. Voilà, il faut éviter de travailler pour ces serpents-là. C'est ça, on se soucie de toutes les personnes qui ne nous aiment pas. Et croyez-moi, ces personnes abusent. Donc, si quelqu'un t'a fait ça aujourd'hui, tu le sais, tu te quittes, tu te sépares de lui. Vous vous retrouvez dans 5 ans. Dans 5 ans, il sera la même chose. Comme il a voulu te prendre pour un moumou, ça fait 5 ans. Il te rencontre. Et ce que tu lui disais que tu vas faire il y a 5 ans, tu n'es rien en train de faire. Lui, le temps, ce qu'il te racontait, il n'a rien commencé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Voilà. De toute façon, il m'a humilié après tout ce que j'ai fait. Alicia, c'est inévitable. C'est pour ça que tu dois utiliser les gens. Ne fais jamais quelque chose pour quelqu'un parce qu'elle te dit qu'il va être reconnaissant. Ce n'est pas la nature de l'être humain d'être reconnaissant. Utilise. Je te donne ici que je sache que je suis en train de récupérer comme ça. Faux serpent. Puisqu'avec le serpent, tu es généreux. Le serpent n'aime pas quand tu es généreux avec une autre personne. Il n'aime pas le mot dominical là. Quittez avec ça. Merci pour le bon repos. Mais dominical, je n'aime pas. Dominical, c'est quoi? Dominical, Baka. Quittez avec. Merci pour le bon repos. Quand le serpent est avec toi, il voit comment tu aides quelqu'un. J'étais une fois avec quelqu'un. Et moi, partout, je pars. Si c'est 500 qu'il peut te donner, il te donne.
mange peut-être, on met l'argent sur la poupée, la facture. Dis que donne le pourboire, non. On s'entend peut-être que normalement c'est 2000. Après, c'est ça, il va donner. Et 2000 après, il met dans sa poche. Je sais pas qu'on peut dire ça. Il n'aime pas quand tu fais quelque chose à quelqu'un. C'est seulement. J'ai toujours fait pour elle, mais le jour où j'ai décidé de laisser, depuis 2 ans, on ne parle plus. On ne parle plus. Les gens que vous avez aidés là, demain, ces gens-là peuvent jurer que vous n'avez jamais rien fait pour eux. Ils peuvent jurer que vous n'avez jamais rien fait pour eux. Et aussi une autre chose que je voulais vous dire, avec les gens là, ton esprit n'est jamais très clair. Parfois tu ressens ça, tu dis que je dois arrêter d'aider la personne-ci. Mais c'est comme si tu n'as pas assez de preuves. Tu n'as pas assez de preuves. Tu ressens ça, tu te réveilles le matin à 5 heures. Ton esprit te dit, les papiers de la personne que tu veux faire là, arrête. C'est 7 à 8 heures quand tu parles à la personne. Tu dis, mais non, ça va, ne te dérange pas, tu exagères quand même, regarde. Tu commences à te sortir, like, you know, you're talking yourself out of it. Tu te parles pour te sortir de cette décision que tu avais prise. Sur la base de ton intuition matinale. Mais quand même, je ne peux pas juger quelqu'un, ça fait seulement 2 semaines. Que j'ai séché. Il y a un mot que j'avais suivi là, c'est comme une sorte de dicton. Le jour où j'ai suivi le dicton là, ça m'a tellement plu. Généralement, la société nous fait diluer. La société nous fait diluer nos décisions. Voilà. Tu as mis les gens de côté du jour au lendemain. Écoutez-vous. Tu restes comme ça. Je dis non, c'est trop tôt, je ne peux pas quand même. Non. Ce dicton disait que si on te donne un verre d'eau, on te dit, on a mis 1/10 de goutte, d'une goutte de cyanure dedans. Bois. Tu sais que le cyanure dans ton corps, ça te tuerait. Est-ce que tu vas te dire, mais non, c'est seulement 1/10 d'une goutte. C'est une infime quantité. Ça peut aller. Ça peut aller. Tu portes, tu bois. C'est ce que vous faites tous les jours. Les gens vous montrent leur vrai visage. Vous leur donnez le bénéfice du doute. Est-ce qu'il va leur rester sans célibataire? Je vais rester sans avoir un père. Mes enfants n'auront pas de père. Ils te trompent. Ils te trompent. Ils te trompent. Vous avez raison, j'ai tout donné. Il a dit que tu n'as rien fait. Ça t'a fait du mal pendant 2 ans. Tu as tout fait. Voilà que tu es parti trop fatigué. Voilà. Tu avais atteint ton. Tu étais rempli, c'était bon. Tu vis cette situation, tes amis t'ont tourné le dos. Même les membres de ta famille, bon, membres de famille, on est habitués.
Mamie, tu as dit que créatrice, elle dit ceci, que les gens vous disent même leurs intentions. Vous prenez à la rigolade. Même si je pouvais te donner une fleur, je te donnais le cœur. Même le lion. Le lion qu'on donne sur TikTok là. C'est quoi tu viens de dire là? Souvent tu restes avec quelqu'un comme ça là, tu lui présentes ta soeur ou ta copine ou bien. En lui présentant un esprit te dit que regarde comment il la regarde. L'homme cela n'est pas sérieux. On t'a manipulé pendant 4 ans. Tu es affective, mais le jour où tu tournes le dos, on te traite de méchante. Les gens te traiteront de n'importe quel nom pour tirer les ficelles de leur côté. Tant que tu leur sers. Tant que tu sers les intérêts de quelqu'un. Quand tu ne lui sers plus à quelque chose, c'est là que tu vas voir le vrai fond de sa pensée. Souvent, quelqu'un avec toi, comme ça, il n'a jamais piqué une colère. Même pas une fois. Oh, bébé, tu es rentré. Parce que tu bosses peut-être plus que lui, tu es infirmière, je ne sais pas. Il n'a pas encore les papiers, peut-être. Quand tu rentres, oh, il met tes chaussures, il met ton bain, il est là pour parler. Oh, il te donne un peu. Tu goûtes, oh, oui, il s'occupe un peu de ta fille. Tu veux qu'elle parle de tes courriers avec ta grosse tête. Tu es attiré par les courriers, je m'en fous. Nous avons pris un appartement chez un privé. Le bailleur a porté plainte contre moi, soit disant que ma poussette a abîmé sa voiture. Je suis convoqué la semaine prochaine. Pourtant, il m'avait demandé, j'ai répondu que non, que c'est pas moi. Ça, c'est des attaques, mamie. Tu as des attaques. Des fois, vous n'aimez pas travailler sur vous. Quand tu as des trucs comme ça, là, tu l'envoies même ta photo, on travaille sur toi. Va, on va même te mettre en prison. Comme ça, vous aimez. Dormez toujours, mof. Le spirituel, viens d'après, ya. D'après, ya. Pardon, attends, continue, moi. Tu dis, ok, quoi. Si tu envoies même ta photo, tu vas refuser. Tu as compris. Va à ta convocation. Comment t'as convoqué à la gendarmerie, là, va partir. Ok, je me souviens du mien. Pendant 7 ans, et le monsieur même me dit que moi, je ne serai rien. Tu as mis toutes tes connaissances, tes relations de côté. Même tes soi-disant besties. Tous sont des serpents, chéris. La vie, je vous ai parlé de l'aigle l'autre jour. J'ai enseigné sur le leadership. Je vous ai dit que l'aigle est solitaire. Femme comme homme. Et si j'arrête de te parler, Dieu ne va pas me punir. Voilà Awe qui dit qu'elle avait envoyé sa photo, on a fait le lavage. Ça l'a un peu aidé. Si ça t'a un peu aidé, seulement c'est bien. Ça veut dire que toi-même là, tu n'étais pas dans la prière. Parce que quand vous êtes là, vous l'avez posé, vous ne faites rien sur vous. Vous attendez que je fasse tout. Je refuse de faire tout pour vous. Vous avez suivi. Je refuse. Il n'y a pas plus serpent que celle ou celui qui t'appelle bestie. La reine Sylviane, pardon. Elle n'aime même pas le mot bestie là. I don't like. Elle n'aime pas le mot bestie. Quand tu fais, on se demande que tu veux quoi, like, what do you want? What is it? Haven't you done enough? The pain, the torture, the torment, the torture. Aïe. Non. On vit dans un monde où les gens tu avais les mots de genoux, c'est parti. Hein? Ok. Continue ton bain de pipi. Au moment où tu fais le lavage à distance une fois par mois, au moins. Tu payes, on travaille sur toi. Tu payes. On ne va pas décider à mes vidéos chaque jour. Vous ne voulez pas payer, ne payez pas, pardon.
What is it? Haven't you done enough? C'est serpent là, elle. Le jour où tu entends. Voilà, moi je fais. Voilà, voilà encore une autre façon d'identifier les serpents. Les gens qui ont plusieurs personnalités. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un. Bonjour. Oh, t'es jolie. Oh, ma coccinelle. Oh, ma boubou doudoudou. 3 jours plus tard, tu entends la personne au téléphone. Je t'ai déjà dit. Si tu ne me donnes pas l'argent, tu vas me voir. Hein? Moi, run, je fuis. Je me méfie trop des gens qui ont plusieurs personnalités. Je me méfie énormément. Gens qui ont plusieurs personnalités. Il y en a qui cachent leur jeu. Le jour où tu découvres ça, il faut que tu t'asseyes sur la chaise. Ce n'est pas mauvaise humeur selon les circonstances. Il y a des gens que tu n'as jamais vu leur mauvaise humeur. Et tu connais, tu en connais. Vous viviez ensemble, il prétendait chérie. Tu as compris, mamie? Vous viviez ensemble, il est parti au travail, il n'est plus rentré, il est parti chez une autre. Il ne t'aimait pas. Je sais que c'est difficile à comprendre. L'homme n'aime pas avec les paroles ou le cœur. Tu me suis bébé. Je sais que la femme me dit je t'aime avec les émotions. Et comme elle a les émotions comme ça, elle porte tout son argent, elle te donne. Elle fuit même sa famille pour toi. Elle laisse son travail pour toi. Elle laisse l'école pour toi. Ma chérie, l'homme n'aime pas comme tu parles là. Si l'homme quitte, il vient chez toi rester. C'est qu'il a vu qu'il ne va pas payer le loyer. Écoutez-moi bien. C'est qui sait qu'avec lui, il a un avantage. Clair et net. Christelle, bonjour. Bénédiction, ben bonjour. Tracy, bonjour. Jessica, bonjour. Youn, bonjour. Mais. Personne, même vous qui êtes dans mon direct, vous me connaissez. Moi, c'est tic au tac. Si tu me vois physiquement, je ne suis pas différente. Ouais. Pourquoi vous venez c'est là que. Bonjour, chers téléspectateurs. Et. Non. Certaines femmes tombent encore dans le piège. Elles tombent dans le piège parce qu'elles croient qu'elles sont spéciales. Aucune situation n'est spéciale. C'est vrai, ils n'aiment pas les gens, les femmes gentilles, car on les aide pas à être en face. Je comprends pas trop, hein, ma chérie. À leurs propres images. Okay. Si l'homme vient vers toi, il a un avantage qu'il trouve. Ne sois pas belle, c'est parce que tu es la plus belle femme. Hé, hey, on ne sait même pas que tu as 2 enfants. Hein. Hé, hey, ton corps. Une femme là-dedans a un corps mieux que toi. Laissez-moi vos bêtises là. Il y a une femme là-bas dehors. Il y a quelqu'un là-bas dehors qui a un corps qui est mieux que le tien. Oh oh. On ne sait pas que tu as 2 enfants. Hein. On ne sait pas que tu as accouché 3 enfants. Tu tombes encore pour les bébés. La prochaine fois que tu vas rester, un homme a dit ça. Tu vas te rappeler de ma voix, tu vas dire que tu vas rire seul. Il va dire, tu ris pourquoi? Que non, 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 ça va. Il profite bien en te manipulant. Et
t'écris comme ça vraiment, les vrais serpents. Ce sont des excuses, c'est vrai. Je précise que parfois ça peut être ton compagnon, ça peut être parfois ton frère ou ta soeur. Parfois ça peut être un collaborateur au travail. Les hommes qui reviennent quand tu es dans le bain de purification, quoi? Tu es à même ta mère, ça peut être ta mère. Tu parles de quoi? Ta mère ou ton père? Elisha, il n'arrête pas, on n'arrête pas de te dire ça. On sait pas que tu as deux enfants, trois enfants. L'histoire de corps là, une fois la manipulation finie, il m'a dit tu ressembles à une baleine. Tu as ri. Tu as bien fait de rire. Waouh! Waouh! Ça c'est tellement méchant. Je suis resté l'autre jour. J'ai vu quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les flatteries. J'ai des petits stagiaires. Le volume d'un tel a peut-être 15 ans. Oh waouh! Tu es belle, hein? Et il dit, mais la dernière fois que j'ai vu, t'es pas aussi belle. Tu es encore même plus belle que ta mère. J'ai regardé la petite fille, j'ai dit, waouh. Je sais pas pourquoi, quand la personne a parlé, ça m'a frappé un peu, genre. C'est une manipulation qui commence dès le bas âge. Fabio, bonjour. Il a déjà appris que je dois appeler telle personne bébé. Je dois te dire qu'elle est belle. Je dois. Tu vois un peu le genre que. C'est un esprit. Et parfois, vous devez prendre. Mettez vos enfants en garde contre ça. Ça a une sensation qu'elle. Qui est en même temps. Ça fait plaisir dans le corps. Donc, ça c'est bien dans ton corps, non? Waouh, c'est joli, hein? La bille, elle te va bien. Fais attention. Tu peux sentir quand un compliment est sincère. Tu peux sentir quand c'est une flatterie. La flatterie a un goût qui est trop. Un ex qui ressurgit, il est d'abord ex pourquoi? Quand quelqu'un est ex dans ta vie, ça veut dire qu'il n'a plus de place dans ta vie. On ne rentre pas avec l'ex. Qu'est-ce qui n'avait pas d'abord marché? Kadi, tu as les serpents qui te piquent et tout ça. Tu es très compliqué d'abord toi-même. Tu es une personne qui est très, très. Tu as beaucoup d'amertume dans ton corps. Oui. Un jour, j'ai embauché une personne comme ça. Les secrétaires ne pouvaient pas dénoncer la personne. Bonjour Laura. Les secrétaires ne pouvaient pas le dénoncer parce que il avait ses flatteries qu'il arrivait à flatter tout le monde. Un esprit très. Oh waouh, tu travailles bien. Continue comme ça. On pourrait même te. Du coup, quand il faisait ces mauvais trucs, les filles ne pouvaient pas parler. Et je n'aime même pas d'avoir un homme qui est trop gentil. Si tu m'as dragué parce que tu étais gentil avec moi, c'était bon. Flore, bonjour. Michel, bonjour. Souki là-bas, il est marié, c'est ton ex, il veut te nuire. Tu nous parles de lui, pourquoi? Mouf, qui là-bas? Mouf! Vous allez répondre à vos propres questions. C'est un ex, numéro 1. Numéro 2, il est marié. Numéro 3, c'est quand je te purifie qu'il revient dans ta vie. T'amuses pas moi. Hein?
avec ton esprit de toi, avec ton esprit toi-même là, tu aimes ça. Tu aimes. Il était nu comment? Il n'y a pas bloqué sur ton téléphone. Tu n'as pas l'option de bloquer son WhatsApp. Vous aimez flirter avec les gens. Vous avez dit que dis-moi, je veux que tu me dragues. Mens-moi. N'est-ce pas? Sors de mon direct. Mon ex. Tu peux faire quoi avec lui? Tu connais toi-même. Tu aimes les bad boys. J'aime la paix. Bienvenue, bonjour du Congo. Et ta bonjour. Bonjour à tout le monde qui vient d'arriver, qui me salue. Il t'a dit que tu lui parlais même d'abord pourquoi. Il y a des ex que tu dois bloquer. Cache. Pour moi, quand tu es à EX là, ce n'est pas ex pour rien. Un ex va t'apporter quoi de bon? Parce qu'il pouvait apporter, il serait dans ta vie. Quelque chose ici concerne votre séparation. Quand le jour, il n'est pas bien avec sa go. Tu sais, depuis que je t'ai quitté, je n'ai plus jamais aimé une femme. Je pense encore au moment qu'on a vécu ensemble. Je dis, attends, je mets la radio. La, la, la. La, 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 la. Vas-y, parle, monsieur, parle. Tu sais, je pense quand on marchait encore sur le pont ensemble. On mangeait le poisson braisé au carrefour maçon. On allait à la rue de la joie ensemble. Après, en rentrant, on prenait la moto. Je te collais sur la moto. La 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 la. La 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 la. Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles le jour où il avait plu à Douala? Oui. La la la. Oui, après ça. La la la. La 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 la. Oui, je t'ai jamais oublié. C'est vrai que ça fait 5 ans. Et tu sais, la mère de mes enfants, elle ne fait pas comme toi. Parfois, je vais sur tes statues. Je regarde tes photos la nuit à 3 heures. Et je me dis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ensemble? La 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 la. Pendant que je parle, faites-moi le la 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 derrière, pardon. Je t'avais prêté ma veste. Oui, quand tu as porté ça, tu étais tellement mignonne. La la la. La la la. Vous ne faites pas les la la la, pourquoi? Vous riez seulement. Faites la la la. Je dois entendre jusqu'ici. Oui. Et après ça, on a fait l'amour jusqu'au matin. Tu sais, je ne t'avais pas trompé. Tu m'avais quitté parce que je t'ai trompé, mais non, c'était pas ça. Je ne t'aurais jamais trompé. Je le jure sur la vie de mon zizi. Je le jure sur... Si je mens, que le Seigneur me punisse. Je me lave déjà au sel depuis que je t'ai quitté. La 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 la. Artemis, merci pour ton la la la. Tu sais, je crois que les conseils que tu me donnais à l'époque, je sais que tu étais la femme de ma vie. Vraiment, est-ce qu'on peut se revoir encore? Toute la vie. Allez, on reprend la chanson. Sera paillé ce matin et l'on s'aimera encore. Carrel, tu as une petite maison antenne. Ça vous fera voir les diables déguisés qui bloquent la réalisation de vos projets. Dans la maison, du genre les bruits des esprits et tout. Mais non, j'ai plutôt découvert lors d'un échange houleux avec mes frères que
Celui à qui j'ai confié ma procédure de voyage avait plein de trucs contre moi. J'ai compris pourquoi rien n'avance pour moi depuis plus d'un an. Pourtant, tous ses collègues dont il suit les procédures sont tirés tout le temps. Waouh! C'est comme ça que j'ai annulé tout ce pour le faire seul. J'ai compris les choses marcheraient mieux si mes frères ne sont pas au courant de mes projets. Wonderful! Waouh! On a bien chanté. Merci pour ma chorale de qui était derrière moi là. Aïe, attendez. Je fais ça jusqu'à on me demande ce qui m'arrive. Marlène, c'est bien ça, tu es une bonne choriste. Un jour, partage-nous ton lien Zoom pour discuter ensemble. Ouais, je planifie faire des trucs comme ça, mais à partir de septembre. Parce que j'ai déjà installé le local du Burkina. J'étais en train de vouloir installer deux, trois trucs. C'est en train de se finaliser déjà. On fait la femme. On fait la femme maintenant. Le pire, c'est que je suis sur ta... Si tu vas le voir, il va te parler d'argent. Maman, laisse-moi. J'ai l'impression que c'est ma mère et une soeur en moi. Ah, que j'organise une vidéo conférence pour mes abonnés. Oh, ce serait cool. On met combien pour le tarif de la vidéo conférence? Donnez le tarif, on va faire une vidéo conférence. Ce serait cool, hein? Ça c'est une bonne idée, merci. Donnez le tarif que vous allez payer. Ouais. Ouais. Tout chez moi c'est payant. Moi je ne vais pas faire la vidéo conférence gratuite. No. Donc donnez le tarif vous-même. Dites. On a continué notre chanson. La chanson était intéressante. Je dois continuer la chanson. Where are you from? Donnez les tarifs de la vidéoconférence. On met combien? Par personne. 10 000. On fait qu'on va de 3 heures de temps. Merci, bienvenue. Bon, on fait pour la femme maintenant. Non, la femme, généralement, ne parle même pas beaucoup. Hein. Je vais en faire encore l'homme. On fait encore l'homme, Allez, la chorale, allez-y, chorale. J'organise avec ceux et celles qui ont déjà travaillé. Bon, on va mettre le lien, on va mettre cette pub dans le groupe. Je vais mettre ça dans le groupe tout à l'heure. Ouais, bon, c'est la team de communication qui doit faire ça. Je vais les informer. Mais demain, s'ils fabriquent un truc comme ça, mercredi, je crois qu'on peut le faire. Si on peut passer ça, le groupe publication. On doit réaliser une vidéoconférence. Le tarif, ce sera 10 000 par personne. Ouais. Non, 7 000. 7 000 francs CFA, oui. 7 000 francs CFA. Avec les frais de retraite, s'il vous plaît. Ce sera 3 heures de temps. On va converser sur Zoom. Le nombre de places est limité. Voilà. On mettra dans les groupes. Ce qui fait que ceux qui ont déjà travaillé, ils peuvent. Je ne veux pas les premiers venus, donc. De préférence, ceux qui ont déjà quand même fait quelque chose ou qui me suivent depuis un bout. Bon, si tu me suis, tu n'as jamais acheté mes produits, pourquoi tu dois venir? Ouais, on va mettre ça. Ah, Stéphanie, donc je vais mettre 7 000, je sais pas. Je t'avais voulu mettre 10 000, mais on va mettre 7 000. 7 000 en euros, c'est peut-être quoi, 11,50 €. Ok, on y va. Allez, faites la. La la la. La 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 la. Ouais, tu sais. Ma mère te demande souvent. Tu étais la femme de la famille. La la la. Chaque fois que je vais au village où j'appelle ma mère, elle me dit elle ne veut pas parler avec ma femme. C'est toi qu'elle veut. Qu'est-ce que tu as fait à ma famille? Franchement, qu'est-ce que tu m'as fait? J'arrête pas de penser à toi. La maison familiale est à toi, tu sais. La marmite que tu avais préparée dedans depuis le jour là, on n'a jamais lavé la marmite. Tellement ta nourriture était délicieuse. Oui. Ma mère ne me parle plus aujourd'hui parce que j'ai épousé une autre femme. Donc voilà. Tu es la femme que ma famille veut. La 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 la.
Chantez, s'il vous plaît. La 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 la. Ça me plaît, ce jeu-ci me plaît. Tu sais, je peux jamais regarder une autre femme. Depuis 5 ans qu'on s'est quitté, j'ai jamais fait l'amour avec une autre femme. Alors qu'il y a une femme dans sa douche. Alors qu'il y a une femme couchée sur le lit, il est dans la douche. Tes repas me manquent. Ouais, tu sais, depuis que je t'ai quitté, j'ai maigri. Mes collègues au travail me disent... Ils ne savent pas ce qui m'arrive. Depuis, je suis devenu mélancolique. Ouais, mes performances au boulot ont baissé. Quand est-ce que je peux te voir? Marie et Mathieu, une bonne choriste. Tu sais, ma vie sans toi depuis n'a pas de sens. L'autre jour, je suis passé devant le banc où on s'est embrassé pour la première fois. Et j'ai pensé à toi. Je pense à toi tous les jours. Parfois, je vais sur ta page. Je regarde tes photos sur Facebook. Je m'endors avec ça sur le téléphone. Je mets sur mon oreiller. C'est comme si tu étais à côté de moi. Oh Seigneur. Je n'ai plus d'appétit. Merci Elvira. Je n'arrive plus à manger depuis que tu m'as quitté. Les enfants te réclament à la maison. Voilà, je sais que tu m'as bloqué sur l'autre téléphone. Mais je vais te poursuivre jusqu'à ce que tu acceptes de me reprendre dans ta vie. Je n'avais pas couché avec cette femme, tu sais. Je ne pourrais jamais te tromper. Elle me poursuivait depuis, tu sais. Elle me harcelait. Quand tu as voyagé pour 2 semaines, je l'avais juste amenée à la maison. La photo que tu avais vue dans mon téléphone, elle était sur notre lit. Non. Elle voulait juste tester pour voir si le ressort marchait. Oui, la femme de ménage n'était pas disponible. Et je l'ai fait venir. Je te dis la vérité. Tu dois me croire. Je te dis. Je suis en train de canaliser des messages. Il y a des filles qui vont quitter leur gars aujourd'hui. Il y a des ex qui seront bloqués aujourd'hui. Ouais. Tu me connais, je t'aurais jamais fait ça. Je suis un homme de parole. Je me lave au sel, tu sais. C'est vrai que tu me forçais à me laver au sel avant, mais maintenant, depuis que tu es parti, tu peux venir vérifier. Monsieur Jean-Baptiste, je suis en direct, je ne peux pas te parler, s'il te plaît. Merci. Tu sais, je fais mes prières maintenant. Je priais les soirs avant de me coucher. Mais ta façon de prier pour moi me manque. Bébé, tu me manques. Ouais. C'est vrai que tu me forçais souvent. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies? J'ai l'impression que cette femme m'a donné quelque chose. Elle m'avait manipulé, elle m'avait envoûté. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me croies? Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Sur mon zizi. Je jure sur ma mère. Vraiment. Tu peux me croire. Ok. Ouais. Si on pouvait faire un jeu, celui qui rit sort, je suis sûr que vous tous vous serez éliminés parce que j'arrive pas à me retenir moi-même. Je t'aime comme un poisson. Non, 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 l'autre là un peu trop, c'est un peu rouillé, comme un poisson là-dedans. Tu sais. Tata Blandine, on n'est pas ici pour les plaintes que ton mari t'a abandonné avec les enfants. On est en train de rire.
Rire un peu, ça va t'aider, non? Ah, ah, c'est quoi? J'ai une chorale derrière, ma chorale chante, pardon, ne viens pas gâter la voix de la chorale. La, la, la. La, 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 la. Tu sais, c'est vrai qu'on s'est séparés depuis décembre. Je suis allé à ton lieu de service pour te voir. On m'a dit que tu n'étais plus là-bas. J'ai marché sous la pluie, j'ai pensé encore à nous deux. Et voilà, je... Pour payer ta dîme, tu payes sur le... Tu es dans quel pays? Je peux pas. Est-ce que tu peux m'aider à payer mon loyer, s'il te plaît? Tu peux me prêter de l'argent pour le loyer? Mais bébé, tu m'as dragué pendant 3 heures de temps pour venir dans ma vie? Wisdom, merci. Tu es dans quel pays? C'est qui veut payer sa dîme? Tu sais, mes projets sont en train de se réaliser. Oui, je vais bientôt avoir de l'argent. On me paye dans 3 jours. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à débloquer une situation, là, chérie? Ça ne va pas durer. Alors qu'il stressait sous la pluie parce qu'il ne savait pas comment payer son loyer, il a pensé à toi. Bon, c'est qui au Cameroun? Je te donne le numéro MTN 237-678-922-578. Ça, c'est pour payer la dîme au Cameroun. MTN. Tu sais, depuis que tu m'as quitté, je travaille dur sur moi. Je ne dors plus trop, tu sais. Je ne vois aucune femme. Oh, ma voix, elle est partie. C'est un flash qui me donne la voix. Tu sais, ça fait 6 mois, je n'ai pas touché une femme. Parce que c'est toi que j'attends. Oui, malgré le fait que tu as 3 enfants, ton corps m'enchantait à tout moment. C'est là que tu as tu fais. Oh, ah bon? Non, tu mens. Non. Non, non, moi, je ne te crois pas. C'est vrai. Je peux te montrer. Tu sais, mais la vidéo, je vais te montrer mon zizi. Il ne s'est pas levé depuis. Oh, oh. Oh. Pardon. S'il y a une personne ici qui n'a pas ri, qu'elle se signale. Si tu te signales, je te bloque. Tu pourras voir qu'il ne s'est pas levé. Tu sais qu'il n'y avait que toi qui commandais mon zizi. Oh, oh Seigneur. On continue. Oh Seigneur, je pleure carrément là. Regarde, je t'ai envoyé une photo dans ton inbox. Il est triste sans toi. Il est triste sans toi. Depuis que tu es parti, je n'ai plus. Et j'ai une vision la nuit dernière. Dieu m'a montré, on se mariait, toi et moi. Bébé, regarde, je t'ai prouvé, je n'ai même pas rasé depuis. Oui, ça te prouve que je n'ai rien fait. Parce que c'est toi que j'attendais. Des enfants, je les ai toujours considéré comme mes enfants, tu sais. Oui. Je peux t'envoyer le bonbon sifflé pour eux tout à l'heure. Je vais leur acheter un yaourt de 250 francs. Oui, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'envoyer une avance? Je veux payer mon loyer, s'il te plaît. J'aurais besoin de 100 000. Tu as reçu mes 250 francs? Ouais. Faut dire à tes... Ah, est-ce que je peux parler aux enfants?
Est-ce que je peux parler aux enfants? Tu sais, ils me manquent. Ils me manquent. C'était mes enfants. Je les prenais comme les miens. L'enfant vient. Bonjour, tonton. Bonjour, ma fille. Ça va? Il sourit d'abord. Hey, tu es devenue belle. Tu as grandi. Tu es devenue belle, hein? Je vais envoyer le yaourt à maman, hein? Merci, tonton. Tu vois, j'aime ta fille comme ma fille. Appel vidéo là pour convaincre. Deux secondes, on avait parlé avec l'enfant là. Hmm? Merci beaucoup, la chorale. Ce sont mes enfants. Je voudrais qu'on soit à nouveau une famille. Oui. Tu sais, mon bail va bientôt se terminer dans ma maison. Je voudrais qu'on aménage encore ensemble. Comme ça, on pourrait être une vraie famille. Tu as besoin d'un homme dans ta vie, tu sais. Oui. Fais-moi d'abord un dépôt. Comme ça, je pourrais... Je sais que je ne mens pas. Et vous savez que je dis la vérité. Combien de fois ils entrent dans vos vies, ils enjaillent vos enfants. Après, ils sortent comme pian. Quand l'enfant te demande même que tonton là est où, tu as même honte. Il faut qu'on soit une vraie famille. On doit. Ce qu'ils disent même souvent là. Sous, c'est toi qui as commencé. Que mon ex revient. Il savait dire quoi. Et tu sais comment tu avais d'abord échappé. Tu avais porté tes choses, tu avais fui. En un an, tu t'es retrouvé. Tu as une maison. Tu as un boulot. Tu as une activité que tu fais de côté. Ça donne l'argent. Et revient encore. Je vois sur tes statuts que tu as lancé ton business. Tu sais, j'ai toujours cru en ton business, mais je n'avais pas l'argent à l'époque pour investir dans ton business. Monsieur Serge, merci. J'ai toujours cru en toi, tu sais. Je sais que tu vas réussir. Je crois en toi, tu sais. Oui. Tu sais, j'avais dit que quand j'allais avoir mon premier salaire, j'allais investir sur toi, j'allais te donner quelque chose pour monter ta marchandise. Mais malheureusement, j'ai eu des problèmes au village, donc j'ai dû aller plutôt dépenser par là. Mais t'inquiète, ça fait seulement un an et demi que je travaille ici, mais je te donnerai mon salaire du mois prochain. Mais en attendant, est-ce que tu peux me faire un dépôt? Je dois aller retirer ma marchandise. Que papy est déjà un grand garçon. Il a besoin d'une figure paternelle. Figure paternelle qui vient mentir devant l'enfant, qui manipule. On n'expose pas son enfant à n'importe qui. Il y a des gens qui peuvent... Donc, il abîme l'âme de ton enfant. Je bénis ta dîme, celle qui a envoyé la dîme là. Oui, j'ai reçu. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Que ce que tu as demandé en payant cette dîme là, que tu l'obtiennes et que tu ne te fatigues pas, que tu ne te décourages pas. Tu sais, j'ai toujours voulu qu'on ait un enfant. Jean Bosco, qu'on n'a jamais conçu. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'on ait un enfant. Oui, je voudrais que tu portes mes enfants. Stérilé, bien en place. Tu sais, c'est vrai que tu as déjà 3 enfants. Je voudrais que tu m'en donnes encore 3. C'est vrai que j'ai pas encore eu d'argent pour donner quelque chose à tes enfants. Mais t'en fais pas, ça viendra.
J'espère que quand ils font comme ça, qu'ils sont même forts aux fesses. Parce que quand tu es beau par là, tu es faible aux fesses, là, c'est grave. C'est grave. Oh, tu chantes encore. Là, là, là. Ok, attendez. On continue la chanson. On continue. Tu sais, j'ai passé tous ces mois. J'ai beaucoup réfléchi. Non, c'est pas parce que, à cause de ton argent, c'est pas parce que j'étais dans une situation difficile. Mais tu sais, j'ai pensé à la bonne personne que tu es. Je sais que tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est ce que j'aime chez toi. C'est ce que j'aime chez toi. Tu sais. Inspiration, tu es parti où? Mais c'est pas ces choses qu'ils nous disent tous les jours. C'est qui? C'est où? Je veux te faire découvrir un restaurant. La première fois que je suis amené une fille là-bas. Non, la première fois que je suis là-bas avec mes amis. C'était tellement bon. Méfiez-vous des endroits où les gars vous amènent. Généralement, c'est une go qui les a amenés là-bas. Où ils ont découvert, ils ont amené une go là-bas. Maintenant, tu es la deuxième. Tu sais. C'est pas à cause de ton argent que je reviens vers toi. Je t'aime sincèrement, tu sais. Aucun homme sur cette terre ne t'aimera comme moi. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il faut que je te fasse ou que je te dise pour te le prouver? Donne-moi une dernière chance. Là, 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 chorale, laissez où? J'ai les huissiers qui veulent prendre la maison de mon père. Vous êtes toute ma vie, les enfants et toi. Depuis que je n'entends pas leur voix, je ne me sens pas bien. Alors qu'ils jouaient ces jeux vidéo hier, c'est pas à cause de ton argent que je reviens. C'est pas parce que tu as les papiers. Je m'en fous de tes papiers. Pour te prouver même. Quand on faisait faire l'amour le soir, bébé, tu reprends ma procédure quand? Te prouver que c'est pas après ton argent que je veux. Ne me donne rien, tu verras. La la la. Je peux te prouver que je suis un homme. Oui. Je vais te protéger, toi et les enfants. T'arrives pas à te protéger, monsieur. Tu vas nous protéger comment? La 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 la. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. C'est pas parce que je manquais d'argent pour manger, mais j'ai pensé au bon moment quand j'étais avec toi. J'avais de beaux vêtements, tu t'occupais de moi tous les jours, tu me faisais à manger, j'avais pris du poids. C'est là que j'ai compris que tu es ma femme. Non, tu es ma ménagère. Non, tu es ma, tu es ma femme. Oui. Tu me manques. Non. Ta nourriture me manque. Non, non, tu me manques. Tu me manques. C'est toi. Quand je n'écoute pas la voix des enfants, j'ai mal. Oui. Pour te prouver, ne me donne plus rien, tu verras. Quand vous finissez de faire l'amour, il y a une facture là. On me dérange depuis pour que je paye. Mais vraiment, ces gens-là, ils exagèrent. Oh chérie, je peux payer ta facture, non? C'est combien? Oh, c'est seulement 500 euros. Mais je te rembourserai le mois prochain, t'inquiète. Je vais lancer mon activité. Tu étais vraiment ma femme. C'était vraiment toi. Moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé à cette période. Je voudrais que tu reviennes dans ma vie.
Ouais. On va encore vivre des bons moments ensemble. Il y en a qui reviennent parce qu'ils savent qu'avec toi, il va voyager. Ils savent qu'avec toi, tu vas lui trouver le boulot. Avec toi, il va manger. Il y en a qui sont minces, c'est la pauvreté. Oui. Kevin dit que arrête de raconter ma vie. Tu sais, ma famille me demande trop d'argent. Il y a des gens qui ils quittent leur. Ils disent qu'ils t'aiment plus qu'ils n'aiment sa famille. Parce que c'est que dans sa famille, il a les responsabilités. Avec toi, il n'a aucune responsabilité. Il ne peut que t'aimer. Il ne peut que t'aimer. T'aimes parce que tu comprends les choses, tu comprends la vie. Tu es pragmatique. Oui, tu es indépendante. C'est ça qui me plaît chez toi. Tu es mature. Oh, Estelle, tu connais. Prends tes cœurs. Tu es mature. Il a la paix parce qu'il n'a pas le loyer qu'il paye. Il ne paye pas le repas. Parler de quoi? J'ai la paix intérieure. Oui. Bébé, je veux revenir à la maison. Bébé, laisse-moi faire partie de ta vie à nouveau et des enfants. Les filles bêtes, venez ici, on se reconnaît. Pointé. Alphonse, tu dis que c'est une histoire captivante, que tu espères que c'est pas la mienne. Même si c'est la mienne. Les filles pointées ici. Pointées présentes. Je vais m'occuper de ma petite famille et de ma petite femme. Pas encore tu ouvres tes pieds. Ouvre encore tes pieds, il vient, il entre. Je vais te gifler dans le rêve. Tu vas me voir dans le rêve, il vient te gifler. Oui, ma petite chérie. Tu es la seule qui me comprend. Tu sais me remettre sur le droit chemin. J'aime quand tu me grondes. Ça me permet de revenir en oui. Tu m'inspires pour devenir un meilleur homme. Oui. Ah. Diamant, bonjour. Il t'a fait tout ça, te voilà encore enceinte. Hey, Jésus. En tout cas, enfant n'a pas fait, il n'a pas commis péché. Il faut beaucoup prier pour cet enfant. Si possible, tu travailles sur l'enfant. L'art de la manipulation. The art of manipulation. Some people are so skilled, they can manipulate you anytime, anywhere. So you gotta be careful, you know. Et quand tu étais bête dans le passé, c'est possible que tu sois encore bête aujourd'hui. Donc, tant que tu ne t'identifies pas, tu ne vois pas comment ça s'est passé. Et le truc, c'est que parfois, les femmes cachent tellement les choses que elles n'en parlent pas. Et leur même schéma se répète.
D'accord, Bernadette. Donc, si tu es déjà tombé dans le passé, tu es très susceptible de tomber encore. Ah, tu vends la nourriture au terrain. Oh, c'est super. Que ton argent augmente et que tes activités augmentent. Rien ne peut déstabiliser une femme entrepreneur comme un homme. Rien ne peut déstabiliser une femme dans ses activités. Parce que la femme est émotionnelle. Ne blaguez pas. Mon numéro est dans la bio, Stéphanie. Clique seulement dans la bio là-bas. Tu cliques sur contacter nous. Tu vas atterrir là-bas. Unchangeable change. You never disappoint. Oh. Mighty warrior. You never ever fail. C'est lui que j'appelle. Éternel est mon berger. Le roi des rois. Never ever fail. Il coupe ce qu'il donnait pour les enfants. Tu continues, non, mamie? Ok. Tu as vu les enfants qui sont morts parce que leur père est mort. Il ne m'abandonnera jamais, mon frère. Il ne t'abandonnera jamais, ma soeur. Mon Dieu, il est bon, il est bon. My God. Oui, demande une messe. Demande une messe. Il y a même une messe qu'on devait faire pour les morts. Demande une messe à son nom. Il faut demander une messe à son nom. Et demande une messe à son nom. Quand il demande des bougies comme ça. Et tu peux aller sur sa tombe, tu enlèves les herbes autour et tu déposes. Tu verses sa boisson préférée, tu déposes des fleurs. Ouais. Et si tu peux nourrir des gens, le jour où tu nettoies sa tombe, si tu ne peux pas donner à manger aux gens, tu demandes qu'on envoie, on peut pas la nourrir dans un orphelinat pour toi. Pour lui, en fait, pardon, pour lui. Oui, oui, ça c'est. Le microblading que j'ai fait. J'aimerais avoir une femme comme moi pour bien me mentir. Hein, papa? Il sait Jacques, tu vas mentir, papa. Autant qu'en un pardon. Allô? Tu as un gros manipulateur chez toi. Il couchait chez toi, il va prendre ses dépens. Si vous permettez, moi, du restaurant, c'est lequel? Merci. Bonjour. On se prend un inbox. N'aime pas, n'est-ce pas? Bonjour. Du coup, Oja. Du coup, Oja. Okayoua. Et? Tu ne parles pas le patois, pourquoi? J'ai faim. Il y a le petit déjeuner. Merci. Demande à ma te dire. Merci. Elle dit qu'elle a un gros manipulateur couché chez elle. Il va pas là, ses dépenses. Regardez, même seulement la nourriture. Prépare un peu, tu gardes, tu ne dois pas pour lui.
Tu n'es pas mon enfant. Tu fais quoi chez moi? Tu es mon enfant. Oh non. Voilà mes trois enfants que j'ai accouchés. Ah. Comment est-ce que tu crois que je dois laisser mes enfants pour aller m'occuper de toi? C'est des choses comme ça. Je peux te parler? Attends un peu, je coupe mon direct. On va se reparler le soir.